Voilà, en fait, j'ai trouvé le nom du navire brûlé là. Donc c'est Océa, le profil de l'avenir qui l'a fait. C'est un catamaran long liner et c'est le Cap Diane. Livraison en 97, entrée navale océan, 8500, les sables France, avec le téléphone et le fax. Voilà, donc c'est bon. L'enquête est terminée, si on peut dire. Voilà, alors on va prendre quand même une petite vue. Ah, j'ai enfin trouvé le nom de ce longliner. Voilà, les longues lignes sont là. Voilà son avant. Voilà ce que c'est qu'une longue line. C'est un super rouleau avec un fil de plusieurs milliers de mètres. Assez épais. Voilà, donc ben voilà, j'ai trouvé. Bon, voilà une ancre pas mal esquintouillée. Ah, le bras il est là, en fait le bras est toujours là, ouais. Voilà, bon ben ça c'est la cabine qui a brûlé, hein. C'est le Cap Diane en fait. Ouais. Bon, mais c'est pas le Rahachiri, c'est le Cap Diane. Ils ont bien nettoyé, mais par le voir. Bon, celui-là, il est complètement désaffecté. Il est accompagné de bateaux aussi qui sont dans un sale état. Cap Tristan, Cap Charlotte. Ah, les voilà! Oui, je les cherchais, en fait ils sont là. Voilà les rosts. Ce sont des rosts d'espadon. Voilà, donc l'enquête est terminée. Si c'était pour, si on pouvait appeler ça une enquête, parce que il y a longtemps que j'aurais pu le savoir, mais j'avais. Ok, bon, on les redescend. Voilà, ben au revoir Cap Diane, alors on connaît ton prénom. Oula. Le navire est mal arrimé et il y a un bel écart presque d'un mètre là. Il faudrait que je saute. Voilà, ben voilà Cap Diane. Là. On va terminer là-dessus. Voilà, Cap Diane, bye bye.